dessine les animaux avec Oumi. Coucou, c'est moi, Oumi. Toi aussi, tu voudrais faire un beau dessin? Alors prends une feuille, attrape un crayon et prépare-toi à dessiner un kangourou. Avant de commencer ton dessin, regarde bien comment on va faire. À chaque étape, je vais d'abord te montrer la forme que je dessine. Là, par exemple, une forme arrondie. Ensuite, lorsque tu entendras ces petites clochettes, ce sera à ton tour de dessiner la même forme sur ta feuille. Tu as bien compris? Alors c'est parti! Commençons par sa tête. On dirait une petite amande. Miam! À toi maintenant. À l'intérieur, je fais deux gros points pour les yeux. Et puis un petit museau, là. J'ajoute un trait pour son joli sourire. Tu as bien regardé? Alors tu peux y aller. Juste au-dessus de son visage, je vais lui faire deux oreilles bien tendues. En voilà une et en voilà deux. À toi! Je pars de l'arrière de sa tête et je trace une belle ligne courbée pour faire son cou et son dos. À toi de jouer! Maintenant, je pars de son menton et je trace vers le bas un trait courbé et pas trop grand. C'est bon? C'est là que vont être placées les deux pattes avant. En voilà une première et puis une deuxième, juste à côté. C'est à ton tour! Passons aux pattes arrière. Une jambe bien arrondie et un très long pied posé bien à plat. Je remonte jusque derrière. Et puis la deuxième patte, juste à côté. Allez à toi, vas-y! Maintenant, on peut faire sa grande queue. Elle tombe jusqu'au sol. À ton tour de la dessiner. Il est temps de refermer son petit bidon. Si tu veux dessiner une femelle, il faut mettre une poche sur son ventre. C'est dedans que grandiront ses bébés. À toi! Ça y est, mon dessin est terminé. Je crois qu'il est prêt à être colorié. Nous voilà en Australie. Waouh! On dit que c'est le pays des kangourous. Et cette maman-là, elle a un petit dans sa poche. Trop mignon! Coucou, me revoilà! J'espère que tu t'es bien amusée. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai encore envie de dessiner. Au revoir et à bientôt!